Et salut! Je me retrouve donc pour coup pour le troisième épisode de ce let's play. Hein. toujours sur Half-Life, donc. C'est rigolo. Et du coup, on va charger la partie. Hein. Ah, ça lag, c'est bien ça. Paf! Et pip! Et jambes de bois. Petit chargement de début de game. On le connaît. Alors oui, du coup, on était rendu là. Putain, le bruit que ça fait. Du coup, ce qu'il va falloir... C'est quoi qui fait ce bruit, bordel? Y'a pas d'eau. Ok, j'en ai marre. Paf. On va baisser un peu le son dans dans mes oreilles parce que ça fait très mal. Ah oui. Hop. Le son du casque est trop fort. C'est génial. Du coup, il faut descendre là. Hop. Enfin, ça laisse l'œil, c'est genre plus genre comme un gros trou. Ça, je trouve trop bien, voilà. Oui, parce que je connais déjà le jeu. En fait, la seule différence, c'est que je le connais pas en entier, genre, je peux pas le compléter à 100%. Bon, c'est une forme de let's play, mais pas blind, voilà. Hop. Et, attends. Hop. Voilà. Fait. Ouais. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est donc remettre la machine à laver. Je crois que ou alors c'est un sèche-linge. Je sais pas, je crois que c'est une machine, c'est juste une machine à laver. C'est pas une machine ou un sèche-linge. C'est un sèche-linge. Il me semble. Putain, mais c'est moi où je viens de sauter. Allez, dégage. Voilà! On remonte et c'est parti! Oula! On va par où? Voilà. Allez! Alors, je sais pas du tout c'est quoi le prochain rendez-vous. Ah bah tiens, bah. Hey, c'est Freeman, pas vrai? Oui. Pincez-moi, je dois être en train de rêver. Le docteur Gordon Freeman en personne. En personne? D'ailleurs, je conviens. On doit lever le camp avant que le cartel nous ramasse. On se prépare à partir. Faut pas traîner. On doit défaire ce camp et dégager. Ok. Bienvenue au Freeman. Bienvenue au Freeman. À vous. Entrez, je vous montre ce qui vous attend. Ok. Mais je viens rentrer, mais en fait, t'es devant. Connard. Alors. Oui. Regardez un peu ça. Voilà le barrage, un peu plus loin. La cachette d'élite à quelques pas de la piste, dans la vieille centrale hydro. Mais l'atteindre avec cet hélico à nos trousses, c'est presque impossible. Oh. Bonne nouvelle, le Vortigant a fait des merveilles sur l'hydroglisseur. Il sera plus puissant en poussée. Je pense qu'il a presque fini. Sortez de là. Ok. Attends, d'abord je pète vos cartons. D'ailleurs, ça sert à quoi de garder des cartons comme ça? C'est genre la déco ou Putain, la gueule qui tire! Et voilà! Cette arme est tombée d'un des hélicos ennemis. Ah! J'aime bien les petites pointes d'ironie pendant le combat. Petites pointes d'ironie. Dénommez cet hélico et vous pourrez retrouver Ellie. Ok! Si le Freeman n'accepte pas cette arme, la route qu'il attend sera intolérable. D'accord. C'est la fête. Wouhou. Meurs. Alors. Et...
Yippie, c'est par là. Oula, oulala, oulala. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. Je sais pas ce que je fais. Hein. C'est. Oula, oulala. Aïe. J'ai mal. Oula, c'est qui me tire du. Coalition. Bye. Oui. Mais putain, mais me tirer, arrêtez de me tirer dessus. Ces soldats d'élite qui tirent même quand la cible est vraiment pas parfaite quoi. Quoi ici? D'accord. En tout cas, j'ai un peu mal. Je suis pris plein la gueule. Ah oui, on va arriver à ce fameux moment. Au revoir, hein. Ouais. Casse-toi! Casse-toi! Putain, oh la vache! Cool, qu'est-ce que tu fais, Gordon? Mais qu'est-ce que c'est que cette conduite, hein? Paf! Dans tes dents. C'est la fête. La la la. Tiens, la main. D'ailleurs, tu viens d'où? Oui. Hihi, c'est parti. Oh la vache. Ah, c'est cette partie-là. Je peux les atteindre d'ici, non? Voilà. Attendez, essayez de. Putain, je vise comme un pied. Bam! T'es mort! C'est-à-dire qu'il en reste plus qu'un. On va voir celui qui est ici. Voilà. Alors, il va falloir Bah c'est fait hein.
Ensuite. Pom pom pom. Du coup. Hop. Boum. Allez, monte dans le bateau. Hop là, oula 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 oula. D'ailleurs ça fait combien de temps que j'ai corde? Environ. Ouais. 10 minutes hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est par là. Alors non. Faut aller où? Aïe. Ah oui, il faut aller là. Bah, la preuve, ça charge. Donc si ça charge, c'est que ça veut dire que c'est le bon chemin. Et si c'est le bon chemin, ça veut dire que c'est par là. Merci, capitaine évident. du coup, il y aura l'hélico va arriver de je sais pas où. Ouh 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 ouh. Alors me soigner dans les plus brefs délais. Merci. C'est les pires joutes ever. Très décevant. Alors. C'est vraiment de la merde, hein. Mais vas-y, mais décède! On se sent mieux quand tout est mort. Bunk. Hop là. Poupouloum. Ce combat n'était absolument pas glorieux. Évidemment, je le reconnais. Hop là. Il y a beaucoup de Opala quand même. Attends, c'est un jeu à sensations fortes. Moi j'adore les jeux à sensations fortes. Alors. Ok. Alors attention, il va y avoir des ennemis.
Allez, c'est parti pour ça. Parti pour la guerre. Quoi, ça recharge pas les revolvers? Mais c'est de la merde. Bon. Faut appuyer sur où? Aucune idée. Ah non, j'aurais dû voir le G-Man ici, mais en fait non. Il est pas apparu. Et comme on dit dans le milieu, très décevant. Ce bruit. Hop. T'es corbeau. Je viens de niquer un corbeau avec un. Le fusil mitrailleur avec un fusil mitrailleur. Est-ce que le garde-chasse va être d'accord avec ça? Je ne pense pas. Allez, c'est parti. Voilà. Et hop. C'est comme ça qu'on fait. C'était nul, c'était naze, c'était pourri, c'est le pire saut. Voilà. Et plouf. Magnifique écran de chargement. Je veux le même pour mon anniversaire. Oui. Chargement. Ah yes. On arrive bientôt à la meilleure partie du jeu. Alors, si je me souviens bien, c'est par là. Eh oui. Et, ah. Et là, c'est. Y'a quoi? Rien. Ah oui, c'est là que je vais pouvoir récupérer la meilleure arme. Allez. On a quelque chose. Quelque okay, chose. C'est humain. Y'a quelqu'un? Non. Ça va aller. Vous ne craignez plus rien. Désolé pour le scan, mais on ne peut prendre aucun risque. Docteur Freeman? Eh oui. Gordon Freeman? C'est moi. C'est bien vous? Oui. Vous êtes arrivé tellement vite. Ellie va être stupéfait, pour ne pas dire soulagé. Je suis le docteur Judith Mossman. Hey. J'avais entendu parler de vous bien avant l'incident de Black Mesa. Oh, Black Mesa. Je vous envie d'avoir pu travailler avec Ellie et le docteur Kleiner au sommet de leur art. Ah, ça y est. Vous pouvez avancer. D'accord. T'es jalouse, mais t'es jalouse. Tout de suite. Il ne me pardonnerait pas de vous avoir fait attendre. Bah écoute. Ça marche pas. C'est trop gros. Un peu plus d'aide ne nous ferait certainement pas de mal. Nous avons bien avancé ces derniers mois, mais tout irait plus vite si nous avions plus de personnes de votre expérience. Oh, ça marche. Ça marche vraiment. Nous approchons d'une technologie de téléportage local fiable, ce que le cartel ne maîtrise pas encore. Pardon. Le téléportage? Ellie pense que leurs portails sont basés sur des chaînes, comme notre modèle Calabio, mais ils n'ont pas pris en compte le principe d'énergie vide. Ils peuvent s'infiltrer de leur univers, mais une fois ici, ils dépendent des transports locaux. S'ils savaient ce qu'on fait des accrochages... Écoute, c'est cool, mais je comprends rien. Mais qu'est-ce que je dis, moi? On dirait une étudiante. C'est juste que je suis tellement contente d'avoir enfin la chance de travailler avec vous. Écoute.
tout plaisir et pour moi. Hein. Où en étais-je? Ah oui, le docteur Kleiner a pu comprimer le Relexène bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer à Black Mesa. Nous savons comment utiliser l'Exène comme axe inexprimé. En réalité, un lance-pierre dimensionnel. On pourrait faire le tour de la zone frontalière et revenir dans l'espace. Les vortigaux, ils font tout, ils font la cuisine, ils font les échecs. Ils parlent même. Ah, voilà Ellie. Ok, c'est bien. Continuez comme ça. Ellie, regardez qui j'ai trouvé dans SAS. Coucou. Gordon Freeman. Laissez-moi vous regarder. Regardez-moi. Mon Dieu, mais vous n'avez pas changé d'un iota. Comment faites-vous? Je suis trop Voyons, fou. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai envoyé chercher de l'aide à la cascade de résonance. Je ne pensais pas que vous mettriez si longtemps à revenir. Bienvenue au labo. Ce n'est pas celui de Black Mesa, mais il nous sert bien. Avec Gordon pour nous aider, ça va être comme à Black Mesa. Exactement. Les diplômés du MIT sont de moins en moins nombreux. Enlevez cette combinaison pour environnement hostile et remettez votre bonne vieille blouse. Je finis et je vois ce que je peux trouver. Docteur Freeman, c'est un grand honneur. Alors, j'ai hâte de collaborer avec vous. Pourquoi je ne vois pas? C'est quoi ce bug graphique? Vous pouvez jeter un coup d'œil. D'accord, je jette un coup d'œil. Et puis qui commence à tout péter? Je jette juste un coup d'œil, hein. Là, là. Il commence déjà à tout péter. Bip, 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 bip. Écoute, je sais pas ce que tu tapes, mais... D'ailleurs, diplômé du MIT, mais genre... Il n'y a pas d'autres, genre, d'autres personnes? Genre des Français? Des diplômés de... Je sais pas, c'est quoi les écoles françaises de surface? Oh, Gordon! Je suis un littéraire, moi. Les Vortigants t'ont dit que vous étiez là. D'accord. Je n'y crois pas. Vous êtes venu si vite à pied. Il a battu ton record, ma puce. Oh, il l'a bien mérité. C'est clair que vous pouvez gérer la situation tout seul là-bas. Il n'y a rien que Gordon ne puisse gérer. Mmh, à part toi, peut-être. À part toi. Quelle tête vous. Je suis vieux. Je suis vieux. Regardez-moi ça, Gordon. Wow! Je tourne et ça fait des trucs! D'ailleurs, c'est quoi ce machin? Coucou! Bon, t'es toujours dans tes bugs graphiques là? Non, c'est Alex, bon. Oh non, non, non! Monter la garde. Les Vortigaunts ont pris la relève et je viens voir Gordon. De toute façon, je devrais être ici à travailler sur le portail. Les réparations sont sous contrôle. On a sous-estimé le Thyristor du cartel. Le Thyristor? Vous m'accusez là? Non, pas du tout. Non. C'était une erreur de calcul, pas un problème mécanique. Alors la prochaine fois, vous devriez peut-être me laisser faire les calculs, en plus de la réparation. Franchement, Alix, j'ai l'impression que vous faites exprès de ne pas me comprendre. Alix, pourquoi n'emmènerais-tu pas Gordon s'entraîner sur le pistolet antigravité? Bien sûr. Bonne idée. Venez, Gordon. On va bien s'amuser. Le manipulateur de champ énergétique .0 n'est pas un jouet, Alix. Sortons d'ici. Oh, je veux péter la glace. Je veux tout casser. Comment ça te fait, bordel? Ça dérange si je te dis ton clavier? Allez, au revoir. Je vois que vous avez rencontré le docteur Mossman. C'est surtout à cause d'elle que je passe tant de temps dehors. Il faut l'entendre quand elle dit que c'est elle qui aurait dû être dans la chambre de test de Black Mesa ce jour-là. Pardon, je ne devrais pas parler dans son dos. C'est juste qu'on est un peu à l'étroit ici. Bah, vu ce que techniquement j'ai vécu, hein, je suis pas sûr que ça aurait été... On ne va plus là-bas. Je crois qu'elle s'en sortie aussi. Mais bon, cela. Et moi, je vais aller à Ravenol. C'est un très bon passage dans le jeu. N'impliquant absolument aucun stress. Ni... aucun problème de gêne. C'est le meilleur passage du jeu.
Ravenholm. C'est le meilleur passage. Bip. Bon, nous y voilà. La casse. Ah, mais voici le pistolet anti-gravité dont mon père parlait. On l'appelle aussi manipulateur de champ énergétique 0.0, si on préfère. À la base, c'est pour les matières dangereuses. Mais on s'en sert surtout pour porter des trucs lourds. Essayez ? D'accord, j'essaye. Wow. La première gâchette envoie une décharge. Mm-hmm. Vous pouvez tirer un truc et l'envoyer valser. C'est pratique pour nettoyer les champs de mines. La deuxième gâchette permet d'attraper des trucs que vous pouvez lancer avec la première. Quand vous avez quelque chose, appuyez sur la deuxième gâchette pour le déposer doucement. Ramassez un truc et jetez-le. Ça marche plus. Pourquoi le clic droit marche plus? Pourquoi ce bordel? Mais pourquoi il n'y a plus lieu de truc? Merde. Voilà. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi tirer des trucs de loin. Mm-hmm. Essayez d'attraper les... D'accord. Essayez d'attraper les... D'accord. Voilà. Essayez d'empiler des trucs pour grimper. Ouais. D'accord. D'accord. Deux petits accords là, comme ça. Attendez, j'appelle chien, il adore jouer les balles. Chien, au pied. Ouais. Du coup, c'est le chien de la casse. Bon. Il fait la roulette. Chien. La roulette. Gordon, c'est chien. Papa l'a fabriqué pour me défendre quand j'étais petite. Le premier modèle était à peu près grand comme ça. Il a bien changé depuis. Pas vrai, mon chien? Ok, chien, on va jouer avec Gordon. Il faut le pistolet anti-gravité. Ça tombe bien, je l'ai. Allez, chien, lance. Ou alors, pourquoi je tirais pas dessus, hein? Allez. Il commence à tirer dessus. Ouais. Pas mal. Wouhou. Ah, c'est pédé. J'attends un autre chien. Et... Wouhou. Génial. Tiens, Alix. Encore un chien. Je suis pas visé. Excellent. Alix, frappe. Oh, putain, ça vache. Chien, va chercher ta balle. T'as la tête dure, hein. Va chercher la balle. Qu'est-ce que tu fais? Le chien qui fait du moulmoulk. Alors. Pas mal. Allez! Merde. Mais non. Vas-y, j'ai fait un super lancer du premier coup et après j'y arrive plus, quoi. Mais vas-y, mais passe-la moi. Mais non, mais fais pas ça, espèce de... Mais oh là là. Écoute, c'est très sympa, mais bon, mais non, mais ouais, jette-le. Comment ça, jette-le? C'est une balle, c'est une balle. C'est pas jette-le. On va le parler de moi. Ah là là là. Ok, Gordon, essayons autre chose. Chien, lance un truc plus gros. Plus gros.
C'est quoi ce bruit de tir? Non, chien. Non, mon chien. Par terre. Mets par terre. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Oh mon dieu, c'était quoi? Des scanners. Des scanners. Le cartel balaie la zone. Vite, on retourne au labo. Allez, Alix, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu branles là, toi? Oh! Papa, c'est Alix, tu m'entends? Alix, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ici? Où es-tu, Alix? Nous sommes dans le sas de la casse, coincés en plein cycloto. Gordon est toujours avec toi? Oui! Bien, je voudrais que vous... Papa? Emmène Gordon. Allez vers la côte. La côte. Papa? Papa! Bon sang! Chien, ouvre le sas, sors-nous d'ici! Allez, chien, serre! Vite, maintenant! Casse-la s'il le faut, mais ouvre-la! Chien, ça suffit! Ça suffit, hein? Allez, Gordon! Bah allez, vas-y, mais ouvre, connard! Venez! J'arrive! J'arrive, Alix! Merde! La vache! Alix! Gordon, il faut que vous partiez d'ici. Je ne peux pas laisser mon père. Chien, emmène Gordon au tunnel de Ravenholm. Puis tourne autour et rejoins-moi. Vite! Quand faut y aller, hein? Allez, ouvre-moi ça, toi. Touloum, touloum. Allez. Ah, c'est parti. Ou peut-être pas. Il y a des choses que j'arrête le record là, hein. Chargement. Yes. Nous n'allons pas à Ravenholm. Je vois rien. Ah. Voilà un coin tranquille. Où absolument rien de suspect ne se passe. Y'a quoi? Des planches. Zoom. Ah là 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 là. Vous voyez, finalement, il y a absolument rien de bien méchant ici. Car on dit qu'ils sont devenus pareils à ces étranges démons qui habitent la matière, mais n'abritent aucune lumière. Ok. Allez, allez, allez. Paf! Paf! Vous êtes mort! Certes. Et putain!
Proum. C'est qui crie comme ça là? Vous ne me pouvez rien. Je suis Wow. Je suis complètement con. Allez, brûle. Il y a un truc qui vient de me traverser de part en part. Tiens, qui est-ce donc? Une autre vie à secourir? Je garderai l'œil sur vous. Je ne peux rien promettre de plus. Chouette. Bon. Pom-pom-pom-pom. Les zombies, les zombards. Pom pom polom, pom polom, polom, polom. Allez, les émissions de gaz. Allez, vous venez. Honnêtement, je pense que ça va être sur ces cris affreux, ces cris de mort, et qu'on va se quitter, hein. Donc, au revoir. C'est-à-dire, salut.